encore un chat. Il y en a combien des minous dans le coin là? Caresse. Il a des airs à mon chat que j'ai à la maison. En beaucoup moins gros. Alors ça, je peux rien faire avec ça? Si, attends. Lumos. Ah ok, donc, je vais utiliser Lumos. Revelio. D'accord, du coup, ça libère juste ça, ok. Donc je saurai pour les autres. Courons. Je peux sauter, c'est vrai que j'avais oublié ça. Alors, qu'avons-nous par ici? Il y a une page. Ah, Akio. Axio. Axio, pardon, oui, Axio, c'est vrai que. La poudre, c'est bon. Les statues font des choses. Allez, alors la page. Je peux attirer la page du coup. Magnifique. Page, il y en a une sur 8. Ici d'ailleurs il y avait un de ces miroirs à activer avec Lumos. Et juste là. Lumos. Il y a quelque chose là-dedans, j'en suis certaine. Ah bah voilà, je vais pouvoir le débloquer là du coup. Bonjour, je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. Ok. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Alors donc, apparemment il y a autre chose à faire que... Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Lumos. Déjà Lumos. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Ah, ok. Donc on cherche un gros monsieur ou une grosse dame. Je sais pas exactement ce que c'était, près d'un escalier. Peut-être de l'autre côté. Juste là. On dirait un endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ? Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Et on va... Ok, ramener le papillon au cadre. Donc il faut rester... activé avec Lumos. Bah, vas-y, quand tu veux. Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Très bien. Maintenant, je comprends mieux quoi faire. Par contre, il y avait... un papy qui volait dans le coin. Oui, Revelio. Là-haut. Action. Viens là, toi. Voilà, 3 sur 8. Parfait. Tu penses qu'ils vont amener un détracteur pour le cours de défense? Alors, du coup, Lenora. Lenora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? C'est un secret. J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es doué avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Amit aussi. Même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Ok, donc je vais pouvoir le faire. J'aurais dû le voir. Et la lumière fut. Donc il y en avait d'autres, hein, des cadres. J'en avais croisé un, finalement j'avais juste lancé Lumos dessus. Je pensais que c'était un portail vers un autre endroit. Ou une image d'un autre endroit, mais pas que c'était à Poudlard. J'avais pas tilté.
Qu'est-ce qu'on a autour? On a encore une quête ici. Juste là. Manche de baguette. Ok. Pourquoi pas. Je ne pensais pas aimer la botanique. Salut. Oh non. Est-ce que tout va bien? Oh, bonjour. C'est gentil de demander. Je m'appelle Cressida. Et malheureusement, ça ne va pas très bien. J'ai des ennuis avec la bibliothécaire. J'aime bien créer mes propres sortilèges. Je pensais avoir suffisamment travaillé mon sortilège léger comme une plume pour mes livres de bibliothèque. J'ai mal aux bras à force de les porter toute la journée. J'ai dû utiliser le mot latin pour plume à la place du mot oiseau dans mon incantation. Parce que quand j'ai ouvert mon sac, ils se sont envolés dans la bibliothèque. C'est beaucoup de travail juste pour porter les livres, c'est génial, génial. C'est une idée géniale, je trouve. Merci. Malheureusement, la bibliothécaire risque de ne pas le voir de cet œil. Je voudrais bien récupérer les livres et lever le sortilège moi-même, mais c'est pas la première fois que l'un de mes sorts sème la pagaille dans la bibliothèque. Ami a dit à Madame Scribe qu'il s'agissait de mes livres. Elle a dit que si je semais encore la pagaille, elle l'écrirait à mes parents. Tu pourrais peut-être les récupérer pour moi? Il n'y en a que 5. Elle ne se méfie sûrement pas des nouveaux élèves. Pourquoi Amit a-t-il dit à Madame Scribe que ses livres t'appartenaient? Oh, en fait, il ne pensait certainement pas à mal. Je suppose qu'il était impressionné et qu'il voulait vanter mes mérites. Amit passe beaucoup de temps à observer les étoiles, mais il sait reconnaître un sortilège de qualité. Je devrais pouvoir t'aider, si j'en ai le temps. Je t'en serais reconnaissante. Mon journal intime fait partie des livres que j'ai perdus. Je préférerais qu'ils ne tombent pas entre de mauvaises mains. Quelle idée. Si tu parvenais à les récupérer et à me les apporter, je pourrais lever le sortilège. Ok. Bibliothèque. Ici. Oula. Axio devrait pouvoir nous aider. Je vais devoir utiliser Axio pour récupérer. Je l'ai. Plus que 4. J'ai passé une bonne journée. Le journal de Cressida. Okay. Moi aussi, je voudrais le récupérer si j'étais elle. J'ai passé une bonne journée, du moins jusqu'à ce que Garrett renverse la ridicule concoction qu'il inventait sur mes chrysophes parfaitement mijotés. J'ai dû vider mon chaudron et tout reprendre de zéro. C'est un vrai danger public, il pense tout savoir sur les potions, il perturbe toujours les cours du professeur Sharp avec ses expériences. Je pense sincèrement que s'il n'était pas le neveu du professeur Weasley, on l'aurait déjà renvoyé à ce stade. Il y a encore du haddock fumé au dîner, je commence à m'y faire avec le temps, mais je préfère quand même la tourte à la viande. Ok. Action. Au prochain. Ça, c'est un livre. Oui. Où c'est qu'ils sont? Oh, je t'ai vu. Viens là. Reviens ici. Livre de malheur. Où c'est qui? Où c'est qui est passé? Viens là, toi. Les pages du guide du sorcier. Ah, donc ça, c'était pas... Ça faisait pas partie de la quête, ça. Où c'est qu'ils sont? Revelio. Ces saloperies de livres. Il y a un coffre au-dessus. Oui, oui. Ok. Revelio. Ça, c'est la sortie. Qu'est-ce que c'est que ça? Professeur Black, puis-je vous suggérer d'interdire la magie au sein de la bibliothèque? Quelqu'un s'est faufilé jusqu'à la réserve et Cressida Bloom semble estimer que la bibliothèque n'est autre que son arène personnelle où elle s'entraîne à toutes sortes d'incantations. C'est très perturbant, Peeves lui-même fait pâle figure à côté d'une telle fauteuse de troubles. Ouais, sachant que Peeves, c'est le maître en la matière, c'est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce qu'on a par ici? Verrouillé, ouais, ça je me doute. Ça doit être la réserve. Ils doivent être à l'étage, je suppose. On va aller voir ça. Ok, bonjour. Je l'ai entendu. Où c'est qu'ils veulent? Action. Livre de Cressida, j'en ai vu en bas aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui fait ce bruit? Je n'aime pas ça du tout. Rebellion. Le vieux bibliothécaire. Alors, on découvre ici l'un des premiers bibliothécaires de Poudlard. Selon la rumeur, il ne supportait pas les élèves bruyants et utilisait le sortilège de mutisme au moindre chuchotement. Un taré. C'est un taré. On apprécie. Là-bas, j'ai vu un livre. Action. Oh, foiré. J'aimerais savoir...
ce qui fait ce bruit ignoble. Il doit y avoir un livre qui se balade en dessous de moi, je suppose. Toi, tu viens là. Livre de Cressida, c'est bon. C'est quoi ce mec? C'est qu'il y a une clé dans le coin ou c'est quoi qui... Il y a ça, je l'avais pas vu. Ok. Et il y a un livre qui était passé par là. Ok. De l'arge. Voilà. C'est le dernier livre. Je devrais les rapporter à Cressida. Ouais, mais d'abord, j'aimerais savoir ce qui cause ce bruit nuisible. Qu'est-ce que c'est? Ça va me rendre fou! Y'a rien au-dessus! Réveillons! Si! Ça fait un bruit bizarre, j'aime pas ça du tout. C'est peut-être le podium qui manque quelque chose dessus, j'en sais rien du tout. Lumos! Levioso! Action! J'en sais rien, j'essaie un peu tout, mais. Ok, bon bah c'est pas ça. Hop, allons-y, on va les rendre les bouquins. On reviendra ici plus tard quand on aura débloqué plus de choses. Toi, t'as de la chance. Bonjour, Cressida. J'ai récupéré tes livres, y compris ton journal. Oh, quel soulagement! Merci. Je vais me faire un plaisir de te débarrasser. Il me faudrait... Non, je vais pas être un bâtard tout de suite. Voilà pour toi. Eh bien, ça m'a servi de leçon. Je ne risque plus de travailler mes sortilèges dans la bibliothèque. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver ce qui a mal tourné. Je devrais peut-être commencer à réviser mon latin. Ouais. Ou apporter tes livres. Il y a encore des gens honnêtes. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse lire mon journal. Ah. Ah bah, excuse-moi. Parce que j'en ai bien profité pour le lire, en tout cas. Si tu t'inclines juste ce qu'il faut sur ton balai, tu peux... Réveillon. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin que je puisse régler? Je sais pas s'il reste grand-chose ici. Alors, dans ce coin... Il y a les différentes poudres que j'ai pas encore... découvertes. Il en reste une par là. Je vais me faire un plaisir d'aller chercher. Ça va me faciliter la tâche de me déplacer dans le château. Serrure de niveau 1, ok. Quelque chose d'autre dans le coin ou encore une serrure. Là. Le guide. Arbre de la serre. Trônant au centre de la serre de Poudlard, cet arbre géant possède des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre et sont aussi tortueuses que les cachots de l'école. Ok. 6 sur 8, c'est pas mal. On arrive au bout. Réveillon. Autre chose ici, non? Ok, il y a quelque chose dans la serre apparemment, mais il faudrait déjà pouvoir y entrer. Et elles sont fermées à clé. Ah non, peut-être pas ce côté. Là au fond. Et un coffre en dessous. Cher professeur Bulby, c'est très gentil à vous. Et vous vous êtes souvenu que ce sont les fraises que je préfère. Elles sont si sucrées, il n'est pas étonnant que les moldus les affectionnent tant. Tout ce que vous cultivez semble être de qualité supérieure. Aux fruits rouges. J'en sais rien. J'espère que ma chère nièce va beaucoup apprendre sous votre tutelle. Lenora vous admire tant, de même que tous les vos élèves, j'en suis sûr. Avec toute mon affection, Eleanor Everley. Eleanor, c'est la femme de Fig. Bonjour. Revelio. Il y a quelque chose qui sifflait, non, ici. Peut-être de l'autre côté. Ouais, ça doit être en dessous ou au-dessus, je suppose, mais... je vais aller voir au-dessus. Ouais, ok. Donc ce sont les coffres qui me chuchotent. Il me parle. Ok, encore un étage.
des choses hein, dans le coin. Je sais pas s'il y a réellement quelque chose en tout cas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il bug chaleureusement. Descendant toi. Il est complètement buggé ce gamin. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci? Ah bah non, de ce côté-ci, rien. L'autre côté, je veux dire. Là. Il y a encore un verrou. Ça, je l'ai bien compris. Y a-t-il autre chose? À l'étage, peut-être? C'est moi, il est... C'est quoi? Des plantes? Des arbustes? Revelio. Qu'est-ce qui cloche? Ce glingling, je vais torturer quelqu'un pour le savoir, c'est pas possible. Ok, rien par ici. En tout cas, rien que j'ai pu voir. Ce bling me rend fou. Je vais finir par tuer quelqu'un. Ok, bon, la serre elle semble être vide. Pas du moins maintenant. Alors, je sais qu'il reste une poudre qui n'est pas encore révélée. Divination, bah à mon avis on va y retourner Revelio. Quand j'aurai un cours, mais bon. Au pire ça me permettra de me téléporter pour le cours. Ça c'est verrouillé, tout est verrouillé dans le coin. Y a-t-il autre chose? Hop. Les escaliers qui tournent, lol. Ça on connaît. On reviendra ici une autre fois. Alors, est-ce que je peux me déplacer un petit peu plus rapidement? Pas par là en tout cas. J'en sais rien. Bah écoute, je vais aller en direction de la quête secondaire. Que je vais suivre. 200 pas quand même. Je vais peut-être traverser un endroit que j'ai pas encore découvert ou un endroit que j'ai pas fini de fouiller. La course est quand même très très bizarre. Revelio. Un chat. Ça y est, alors ça. Lumos. Il y a un hippogriffe en statue. Des colonnes. Plusieurs colonnes, ça doit être de l'autre côté là-bas en face, non, je suppose. Non, pas du tout. En dessous, au-dessus, ça peut être dans les deux côtés. C'est le coin des chats ici, c'est pas possible. Là, il y a des colonnes. Où se trouve cette statuette? Pas ici. Je sais pas si ça peut se trouver aussi loin. En hauteur. Ça c'est quoi? Ok. J'en sais rien, mais on trouvera. Ça me paraît bizarre. Au-dessus, c'est une possibilité. Ou par là. Non, c'est pas par là. Où est-ce que ça peut se trouver? C'est assez bizarre. Alors attends. C'est où? Ici. Le truc est ici. Donc, est-ce que c'est... Non, ça a l'air d'être une sortie plutôt. Donc, c'est pas bon. Je vais revérifier un coup parce que là, je commence à être perturbé. Il y a un sol bizarre. Ça serait pas dans la salle de cours.
C'est pas par ici non plus, je suppose. Non, 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 ça c'est la sortie. Évidemment. Où est-ce que ça peut être? Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Ok. Ah, bah si, c'était là. Alors, il y avait des colonnes, c'est pas un hippogriffe. C'était peut-être pas une statue, c'était peut-être le dessin, je sais pas du tout en fait. Pour moi, c'est un hippogriffe. On va voir ça tout de suite. Maintenant, il faut que je retrouve le tableau. Les statuettes me suivent du regard, je viens de voir. Alors, c'était le squelette. Non, c'était effectivement juste un squelette. Je croyais que derrière, c'était un hippogriffe, mais non, non. Ça, c'est bon. Donne-moi ça, Michel. Et voilà. 7 sur 8. Bon, bah voilà. Tout doucement, ça avance. Revelio. Les statuettes me suivent du regard, tu vois. C'est ça que je disais. Je l'avais pas remarqué, mais c'est très perturbant. C'était quoi ça? Action. Ok. Alors là, il y a un coffre, il y a un verrou aussi. Regardez-moi ce cheveux et ce teint. Quel que soit votre secret, je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxiamol m'a permis de faire trempette. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine! C'est très bizarre. Et Gros Carpé a voulu m'arrêter et m'enfermer dans une cloche en verre enchantée. Mais ces sortilèges de maintien n'ont servi à rien. Alors j'en ai profité pour faire le malin. Il me fallait des privilèges considérables et remarquables. Pour éviter le chaos, elle s'est montrée raisonnable. Selon les termes de votre convention et avec sa permission, une fois par semaine, je peux faire le plongeon. Il pète un câble. Le plongeon. Il pète Rébellion. Un câble, Peeves. Complètement taré, ce bonhomme. Alors, qui est-ce? L'Achelon le Maigre. Cette statue représente le sorcier L'Achelon le Maigre, un sorcier grand et mince qui semble assez fier de lui. De quoi exactement? Personne ne le sait. Ok. Effectivement, il est maigre. Allez. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Action. Levioso. Lumos. C'était un accident. Ok. J'en sais rien du tout de ce que je peux faire. Revelio. Mais ah, je peux peut-être juste. Ok, avoir le livre. Alors. Carte d'Argyllshire. Cette carte représente Argyllshire, une région d'Écosse dans laquelle se trouvent les Hébrides, la terre native du dragon noir des Hébrides. C'est logique, effectivement. Que je passe à travers, je suppose qu'il y a encore autre chose à faire. Le coffre, je prends. Merci. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Revelio. Ouais, bah l'aile musicale, vous la gardez. Je me casse. Attends, je peux où? Pourquoi il y avait une cible sur la porte? Ok. Heureux que tu aies pu venir. Lucan est juste là. Ok. Lucan Brattleby, qu'est-ce que... Oula. J'ai bougé la totalité des choses. Action. Les vieux sauts. Ok, ça m'a rien donné à lire. Ok. Pourquoi pas. Alors, Brattleby. Putain, mais... C'est un quel année, lui? Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Je crois que j'ai un don pour les duels. Eh bien, dans ce cas, tu es au bon endroit. Comment se déroule une manche de Joute Magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne.
C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Oui, clairement oui. Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Bien sûr. Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant ! Que le feu d'artifice commence ! Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Ok, ouais. Vu ta sale tronche, ça m'étonnerait. Alors, briser les boucliers jaunes à l'aide des sorts de contrôle, comme le sortilège de l'éviation, le verrouillage vous permet de suivre les ennemis sans viser. Ok, ça marche. Vous prenez cher, les amis. Aïe. Ouf. Oh, bah, elle a pris cher, elle. Oula, 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 oula. Toi, t'es calmé. Et toi, tu vas pas tarder. Voilà. Peut-être qu'un jour, je... Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'aimerais bien réessayer. Bientôt. C'est un autre combat, j'aimerais bien en faire un. Des récompenses disponibles dans le menu défi, d'accord. Allez, fais-moi faire un petit combat si possible, s'il te plaît. Nous. Bon, y a rien. Sympa. Revelio. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin qui pourrait. C'est quoi ça? Ok. Levioso, action, Lumos. Ok. C'est pas le fait d'être là-dessus. Pourquoi il s'ouvre et se referme de temps en temps? Là il s'ouvre, il se referme. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est que je dois avoir le dos tourné? Je dois. Qu'est-ce qui se passe? Là ça s'ouvre. Ça se referme aussitôt. C'est assez, assez bizarre. Revelio. Alors, Revelio, là derrière, il y a un coffre. Allez. Ok, des gants arrivés en cèdre. D'accord. Et la poudre des cheminettes. Attends un peu que j'ai grandi. Rira bien qui rira le dernier. Je plains ton prochain adversaire. Ouais, moi aussi. Hop. Ah.